Alors lorsque Frédéric Malle était venu nous voir pour nous demander donc pouvoir utiliser le parfum de Thérèse pour le lancer dans sa nouvelle maison d'édition, il m'a demandé si j'avais des choses à lui faire lui proposer, à lui faire sentir, parce qu'il savait que j'avais aussi composé quelques parfums. Et dans toute la palette que je lui ai proposée, il s'est arrêté sur un parfum en particulier, qui était un parfum très épicé, que j'avais travaillé déjà depuis 2 ans. Et ce parfum, en fait, était issu non pas d'un brief ou d'une demande, mais d'une création personnelle que j'avais faite. Alors, la composition de Noir Épices, comme son nom l'indique, est effectivement basée sur les épices, et certaines épices en particulier, pour lesquelles j'ai une certaine prédilection, et notamment en note de tête, c'est la noix muscade. J'adore la noix muscade, que ce soit dans la cuisine, que ce soit en tant qu'arôme. Donc ça, on pourrait dire que par rapport à la plupart des parfums, il y a un dosage de noix muscade assez important. J'aime beaucoup aussi la cannelle, mais il y avait du girofle, il y a des notes poivrées qui, associées justement avec la rose, le géranium, et surtout en notes de fond, le santal, le vétiver, le patchouli, il y a des fortes doses de patchouli aussi, lui donne un côté oriental, mais pas trop, justement parce que j'ai évité de tomber dans cet excès, ou en tout cas cette habitude qu'on a de mettre beaucoup de vanille dans les parfums orientaux, de leur donner ce côté un peu lourd. Moi, je voulais un parfum épicé qui reste léger, qui reste relativement aérien et pas trop connoté, justement, en fonction des critères habituels. Parce que j'ai travaillé pendant 2 ans dessus pour lui donner donc plus de rondeur, qu'il soit plus féminin. Et pour moi, c'est devenu, je l'ai travaillé comme un parfum vraiment à sensualité féminine très forte. Et c'est cette version-là que j'ai fait sentir donc à Frédéric, qui a tout de suite dit, ben, je le prends tel qu'il est. C'est vraiment, et là, j'étais vraiment très content parce que c'était la première fois qu'un parfum comme ça était accepté en l'état. La seule modification qui m'a été demandée, qui était tout à fait justifiée, était d'augmenter un petit peu la note vanillée. Ce que j'ai fait, et elle a été lancée telle quelle, et on a travaillé tous les deux sur le nom. Moi, j'avais proposé épice noire, il m'a dit, mais ce serait peut-être mieux de l'appeler noire épice. Et voilà, donc le nom était trouvé très rapidement. C'était assez magique, hein, la façon dont ce parfum a été lancé et créé. Et ce qui a été ma surprise aussi après, c'est que ce parfum donc, que j'avais créé pour des brunes, des femmes brunes, a été porté par Catherine Deneuve, qui était blonde, et aussi par les hommes. Pratiquement autant d'hommes que de femmes le portent. Et ça, c'était une surprise, mais une agréable surprise, parce que quand involontairement on fait un parfum unisexe, eh bien, c'était aussi assez satisfaisant.